Déjà cette foutue rentrée. C'est reparti pour des embrouilles, des histoires de tous les côtés. Enfin, c'est aussi des bons souvenirs. De toute façon, ici, on cherche tous la même chose. Rentrer dans une bande. Il y a celle des caïds. Ceux qui sont là pour faire chier les autres, quoi. Foutre la merde. Eh, hey, passe ta thune, du coin, passe ta thune. Non, moi, c'est du tronc. Eh, hey, retourne chez ta meuf, là, vas-y. J'ai pas de meuf. Enfin, avec eux, vaut mieux pas chercher la merde. Il y a le groupe des redoublants. Eux, ils sont là depuis toujours. Enfin, bref, les bolos, quoi. Ici, toujours la réputation. Au plus populaire. À celui qui va choper le plus de meufs. Et les autres, bah, ils sont écrasés. Complètement écrasés. En parlant de popularité, Lisa. Enfin, je sais pas, moi, de toute façon, avec les nanas, j'ai jamais eu le truc. Salut! Tiens, c'est pour l'élection du président des élèves. Je dois y aller. Foutu colique. Elle est pas à ma portée, cette fille. Ça doit être ma gueule. Enfin, je sais pas, je pense. Hein. Peut-être, enfin, je sais pas. Ouais. J'ai plus qu'à aller rejoindre mon groupe de potes. Enfin, dans mon cas, plutôt mon pote. Salut, Eddy. Oh putain, c'est Stéphane, ça va? Super, et toi? T'as passé de bonnes vacances? Ouais, super sympa. Alors, tu t'es entraîné? Bah écoute, je peux te dire que ouais, je suis pas mal entraîné quand même. Tu verras cette année, je pense que tu vas être choqué de mon niveau. Je sais très bien que tu resteras deuxième après moi. Ouais, on verra. Hein. Tiens, pas de bon, t'es prêt? Ouais, cette année, je la sens bien. Allez, go. Président des élèves, tu te rends compte? C'est génial, tu me mets quoi à tes pieds? Tu as trop de la chance! Ça va? Ça va et toi? Ouais, c'était pour te dire en fait que bah, bien sûr on a voté pour toi, hein, t'es la meilleure et tout. Hein, Stéphane? Oui. Bah merci Eddy, ça me touche beaucoup et puis bah comme tu vois ça a payé. Bon, on y va Eddy? Ouais. Salut! 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 Salut. 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 Ah là là, Steph. Ça fait la combien de fois que tu laisses passer ta chance de parler à Lisa? Que tu crois que j'ai vraiment une chance avec elle? Ouais, c'est clair, maintenant qu'elle est devenue présidente des élèves en plus, ouais. Mais bon, je sais pas, prends ça comme un. Je sais pas, un challenge ou un défi. Un combat? Ouais, tout à fait. Bon. Pas pour toi, c'est toi le meilleur. Grand champion de l'année dernière, grand favori de cette année. Le combat, c'est ton domaine? Ah, ça écoute, j'ai pas à m'en plaindre. Mais bon, tu sais, cette année, je parlais plutôt sur toi. J'ai gagné! Oh! Super, je suis bien contente pour toi. Regardez, je vais pouvoir faire bouger les choses dans le lycée. Wow. Hey, tu m'as dit comme ça là? Tu crois pleurer avec la tête que t'as? Et ça sert à quoi d'être les boss du lycée si on peut gérer personne? Vas-y, venons. De toute façon, le vrai beau gosse du lycée, c'est Eddy. C'est qui lui? C'est le mec qui fait les arts martiaux là? Ouais, beau et balèze. Pourquoi on le recrute pas lui? Parce qu'on va lui régler son compte. Pas besoin de lui. Tu vois pas qu'il se fout de ta gueule? On a pas besoin de ce bolos dans le groupe. Et au fait, il y a plein de secondes, ils viennent me voir. Je sais pas, je crois qu'ils veulent se faire recruter. Ça peut être bon d'en prendre un ou deux. Et tu veux qu'on fasse quoi de ces petits? Vas-y, mais on s'en fout de leur âge. C'est bon pour la popularité, comme ça on les bisute comme à l'ancienne. Ouais, tu te rappelles du gars qui chialait parce qu'on lui avait mis la tête dans les chiottes? Mais ça c'est rien, mais. Je te rappelle pas de. Quand vous m'avez fait draguer la prof de français là? Là on. Putain, devant tout le monde en plus. Mais vas-y, arrête tes mythos. Tu l'as kiffé la prof, tu t'es auto-bisuté mon frère. Ah, les gars, c'est qui la meuf là-bas? C'est l'Enmoire. Je sais pas, je crois elle est en terminale. Hé hey, toi! Ouais toi, tu crois que j'appelle qui comme ça? Bah je sais pas, qu'est-ce qu'il y a?
Bah, je sais pas, je dois tout le temps tout seul. T'as pas de potes ou quoi? Bah si, en ma classe. Ah d'accord, enfin, ça te dirait pas plutôt de traîner avec nous? C'est qui on est? Bah ouais, seulement un groupe de potes qui fait chier le monde. Oh la bâtarde. Comment ça va? Tu fais quelque chose samedi soir? Bah, je fais mon taf. Ça te dirait pas qu'on aille boire un verre? Une prochaine fois peut-être. Mais vas-y! Tu tires à côté, tu tires. Tiens, t'es mort! Putain, mais comment tu veux jouer? Tiens! Allez! Putain, t'as rien compris! Mais comment tu veux jouer aussi? Regarde-moi cette connexion! Non, mais c'est tout, je suis juste meilleur que toi, c'est pas grave. Oui, c'est ça. De toute façon, tu seras toujours derrière moi. Alors, c'est toi qui balance? Non, je suis juste là! Putain, mais mec, c'est pas droit! Chope-le! Moi, je sors pas avec n'importe qui, j'attends le bon. Hein. Eh, regarde, y'a Lisa là-bas. Mais vas-y, arrête, elle est pas pour toi là. Ah ouais? Bah, viens, on va voir. Salut, j'ai une soirée samedi soir, ça te dirait de venir? Non, mes yeux sont là. Et il y aura que des bolosses comme toi à ta soirée ou comment ça se passe? Vas-y, viens, mec, on y va. Allez, c'est parti! Le tournoi approche! T'es motivé? Mais de toute façon, je cherche pas, cette année c'est moi qui vais gagner. Et alors, qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? Tu sais, mec, franchement, j'ai bien réfléchi sur les combats de l'année dernière, pourquoi j'avais perdu. Et je me suis aperçu que je manquais totalement de conviction et que j'avais peur. Mais ça, ça va pas se reproduire. T'oublies que le précédent champion va de nouveau te barrer la route? Ah ouais? Allez, viens là! Oh. Ça mon gars? Ça tu vas me le payer. Viens là. Oh, Eiji! Oh, ah putain! Ah! Et tu fais quoi? C'est l'histoire d'un mec qui... Enfin, tu vas intégrer le groupe ou pas? Ouais. Enfin, pourquoi tu me demandes ça à moi? Tu veux ou pas? Bah, je sais pas. Ça dépend de ce que je devrais faire. Écoute, la trad veut que chaque nouveau espère un cadeau de bienvenue. Cadeau de bienvenue? Ouais, un truc qui prouve que t'as envie de rentrer dans le groupe, quoi. Un truc plus cool que de lire des bouquins. Un bizutage? Tu rigoles. Écoute, c'est la trad, on va pas faire une exception pour tes beaux yeux. Bon, tu sais quoi, on verra le jour J. En fait, tu t'appelles comment? Sarah. Moi, c'est Mike. Bonjour. Bonjour. Je veux voir Eddie Jamie, s'il vous plaît. Étage 2, chambre 105. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. C'est au bout du couloir, salle 105. Merci. Pas de victimes, mais des dégâts importants, les enseignants sont révoltés. Ah, c'est Stéphane. Salut, Eddy. Putain, je suis content de te voir. Moi aussi, mec. Comment j'ai flippé quand je t'ai vu au sol.
Tu t'as inventé des bouquins? Merci. Tu fais un peu de lecture? Bon, tu te sens comment? Ah bah écoute, j'ai connu mieux, tu sais. Oh, cette putain de bagnole, elle t'a pas loupé, hein. On peut pas dire que je l'ai pas aidé en même temps. C'est pas ta faute, c'est pas toi qui m'a renversé et puis qui m'a mis dans cet état. Bah ouais, mais... Non. On faisait les cons sur la chaussée et puis voilà, je me suis fait faucher et puis c'est tout. Ah, et puis tu verras, j'ai vu que me rétablir. Le centre où je vais dans le nord est spécialisé dans les rétablissements rapides, donc ça devrait aller. Mais pourquoi tu vas dans le nord pour faire ça? Il y a un centre ici, pourquoi tu fais pas là? Bah justement, ils sont plus spécialisés là-bas. T'inquiète pas, c'est que l'affaire de quelques mois. Quelques mois? C'est combien de mois? Bah, 4 mois d'après le médecin. Peut-être moins si ma jambe guérit bien. Putain... Ah, ça va. 4 mois, c'est pas si long. Puis tu dois t'entraîner pour le tournoi et puis ensuite t'auras les études, ça va passer très vite. Ouais, mais on était censé passer ensemble le tournoi. Je vais faire comment si t'es pas là pour m'aider, moi? Putain, mais t'as pas fini? Tu sais que t'es pas le plus à plat, hein? C'est pas toi qui t'es cassé la jambe et qui dois aller je ne sais où, là, pour la rééducation. Ressaisis-toi, c'est putain. Ce tournoi, il suffit juste que tu bosses, puis tu le remporteras, c'est tout. Et pour tournoi, tu le sens comment, justement? Je sais pas. J'appréhende. Tu te souviens pourquoi tu t'es lancé dans les arts martiaux? Tu te souviens? Enculé, vas-y. Eh, hey, bâtard, vas-y. Vas-y, là. Bah oui, je me souviens. Excusez-moi, je dois vous préparer pour les radios. Ok, je vous suis. Bon, moi je vais te laisser. Eh, ça va bien se passer. Hein. Ouais. Eh, je te donne 4 mois, t'as pas un jour de plus. Ok. Ouais, ciao. Salut. Et au fait, tu t'appelles comment? Sarah. Ouais, c'est à Noël, on devrait pas tarder à budgéter. Tu lui fais faire quoi? Je sais pas, elle a une bonne tête à faire du scooter. T'inquiète. Ok, ça va, tu gères. Ah, beau gosse. Continue, les gars. Bon, je t'explique. Il y a un scooter à 200 mètres là-bas. Tu le prends, tu le ramènes. Il est volé ou pas? Écoute, si tu veux faire partie de la bombe, faut que tu le prennes.
s'appelle Stéphane. Ah, c'est lui, il fait des arts martiaux. Ça va être marrant. Donc la compétition multisport d'arts martiaux va maintenant commencer. Les combattants du premier tour sont appelés sur les tatamis. À ma droite, Stéphane, Jeet Kune Do, et à ma gauche, Thomas, Taekwondo. Attendez, je reviens. Eh hey, salut mec, t'as vu combattre avec les gens du lycée, c'était pas mal hein. Ah je savais pas qu'il y avait des gens du lycée. T'inquiète, on est pas là pour se moquer, on est là pour t'encourager mon gars. Ah bah merci hein, c'est cool vraiment. Au fait, dis-moi, c'est Stéphane toi, non? Ouais, toi c'est comment déjà? Child. Child? Pourquoi Child? Parce que c'est... comme j'ai une tête d'enfant, tous mes potes ils m'appellent comme ça. Ah. Moi faut que je retourne là-bas, les concurrents ils vont là-bas. Vas-y Megan, et tu gagnes. Ouais. Et maintenant, premier combat des quarts de finale. À ma droite, Stéphane, Jeet Kune Do. Et à ma gauche, Julien. Reste pas tout seul, viens avec nous. Bon, c'est chaud là, c'est un des deux que j'ai rencontré. Le petit qui fait de la boxe, il a l'air balèze. Ah, c'est clair, ça va être chaud. Hein. Ouais. Et vainqueur par KO, Jason. Et dans 10 minutes, la finale, Stéphane contre Jason. Bon, c'est la finale. Hein. Bonne chance, mec. Bonne chance. Cette fois, je perds pas. 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 Alors, mec, comment tu la sens, la finale? Bah, c'est chaud, mec, parce que... Jason là, c'est celui qui m'avait sorti l'année dernière. Et après il s'était fait battre par Eddie mon pote. Ah merde, putain il a l'air balèze hein. Ouais. Pourquoi il est pas là au fait? Bah il a eu un accident de voiture il y a pas longtemps. Du coup bah il est gravement blessé et il a pas pu faire le tournoi quoi. Mesdames et messieurs, merde. La grande finale va commencer. Ouais. Bon J'appelle Stéphane. Il m'appelle Jeet Kune Do. Vas-y mec, hein. Bonne finale. Jason Box français. Bye.
version multisport. T'as géré. Merci mec, ça fait plaisir. Vas-y, j'appelle des potes, on va faire la teuf. Ouais, ça fait plaisir. Hey, regarde, c'est lui, non? Ouais, ouais, c'est lui, Stéphane. Stéphane, c'est longtemps que t'as gagné le tournoi hier? Ouais, pourquoi? On m'a dit que tu étais génial. Tu veux pas nous montrer quelques coups? Que je montre quelques coups? Mais je vais pas me montrer en spectacle non plus. Qui c'est qui vous a dit ça d'abord? C'est Charles Liliété, il nous a tout raconté. Putain, mais tu les as tous défoncés? Ça a pas été facile, ils étaient balèzes aussi. Donc... Putain, il faut pas chercher la merde à toi. Écoutez, c'est vraiment cool de vous intéresser à ça, mais là j'ai d'autres choses à faire. Si vous pouvez me lâcher, ça serait vraiment cool. Allez, montre-nous quelque chose quoi, casse des planches. Ouais, je vais ni casser des planches, ni rien. Mais le prends pas comme ça, on voulait juste voir un vrai spécialiste. Enfin, c'est pas ça, mais... Bah, on n'a pas eu la chance de te voir, on est curieux. C'est... Enfin, c'est ni le lieu, il n'y a pas les accessoires quoi. Bah, tant pis hein. Attends, enfin, y a d'autres trucs. Y a la self-défense par exemple. Si je t'ai fait ça, tu fais quoi? Allez, allez, on se disperse, le spectacle est fini, ça va rameuter les surveillants. Allez, allez, on part, on part. Excuse-moi mec, hein, j'aurais pas dû leur dire, je pensais pas que ça allait faire tout ça. Non, t'inquiète, je comprends. Hé, hey, tu fais quoi comme sport? Tu te kundo depuis 6 ans. Je comprends mieux. T'en fais toi? Non, mais j'aurais trop aimé. Si tu veux, je pourrais t'apprendre quelques trucs. C'est vrai? Ce serait trop bien. Eh, hey, j'ai une idée, ça vous dit qu'on aille au cinéma vendredi soir, genre tous les 4? Ouais. Ouais. Bon bah, à bientôt Suzanne. Salut. Ouais, bon alors, vous avez parlé au gars, Stéphane? Non, mais il est plutôt canon. Ah, moi je l'ai vu au tournoi. Mais vous avez entendu là? Il y a quoi? Ce qui est pareil, il y a un mec super balèze dans le lycée comme quoi il aurait remporté un tournoi, je sais pas quoi. C'est qui ce type? Pas, je crois qu'il s'appelle Stéphane. J'en ai jamais entendu parler de ce mec, hein. Ça doit être un bolos. Mais vas-y, mais s'il y avait un mec aussi balèze, on en a déjà entendu parler, ouais. Ça doit être bidon son tournoi. Ça doit être un tournoi pour les gamins, hein. On l'aurait battu en 2 secondes, même pas. Pourquoi on, toi tu l'aurais pas remporté, hein. Non, mais n'empêche qu'il y a pas mal de monde qui parle sur lui, hein. Faudra lui régler son compte ou alors à la limite le recruter. Ouais, mais fais attention, hein. Franchement, tout le monde parle de lui, il pourrait vite prendre ta place. Hein. Non, mais t'inquiète, je vais gérer ça à ma façon. Ouais, bah fais ça bien. Non mais attends, mais c'est lui l'autre connard. C'est lui là-bas? Ouais, c'est lui. Allez, attends, je vais gérer ça. Hé, hey, toi là. Moi? Ouais, toi, c'est toi le mec dont tout le monde parle, Stéphane. Ouais, c'est moi Stéphane. Ouais, j'ai une proposition pour toi. Vas-y, dis-moi, je suis là. Ça te dirait d'intégrer le groupe? Je te suis pas là. Bah t'es populaire, c'est cool, mais ça va pas durer alors qu'avec nous... Écoute, ton groupe de gamins là, c'est pas mon truc. Ouais. Fais comme tu veux, hein. Mais traîne pas trop tout seul, ça pourrait être dangereux pour toi. Alors Lisa, c'est toujours bon le cinéma avec Stéphane et Shane? Bah oui, c'est toujours bon. C'est qui Stéphane? Mais tu sais, c'est ce mec qui a gagné le tournoi d'arts martiaux. Ah oui, ok. Tu veux venir? Bah non, je vais vous laisser tous les deux. Pourquoi tu dis ça? Bah arrête, t'as bien vu comment vous vous regardiez? Mais... C'est vrai qu'il est mignon. Puis avec lui, il sera bien protégé en plus. Non mais Azercy veut juste coucher avec toi, donc... Mais non, je suis sûre que ça m'aide bien. Ouais. Allo Eddy, c'est Stéphane. Oh, salut Stéphane, comment ça va? Bah écoute, moi ça va super. Et toi, comment ça se passe à ton centre? Bah écoute, la rééducation ça prend du temps donc. Tu penses que ça va prendre combien de temps encore? Bah, je pense 3 mois à peu près. 3 mois? Pff,
Putain, j'ai l'impression que ça fait déjà un an que t'es parti, quoi. J'ai pas de nouvelles de toi, mec. Tu pourrais envoyer des SMS, des trucs dans le genre, je sais pas. Ouais, je suis vraiment désolé, j'ai pas le temps, vraiment. J'ai tout le temps les kinés sur le dos. Ouais, je comprends, mais bon, essaye d'en donner un peu plus, quoi. Mmh. Et alors, tu m'as pas dit comment s'est passé le championnat? Toi? Bah, mec, tu vas pas le croire, mais j'ai gagné, hein. Ah ouais? Je te promets. Ah putain, bravo, gars. Merci, mec, ça fait plaisir, surtout venant de ta part. En plus, t'imagines même pas qui j'ai rencontré en finale. Tu vois Jason là, le petit boxeur là que t'avais rencontré toi aussi en finale l'année dernière. Ouais, je m'en souviens, il était vachement bon lui. Ouais, il était fort mais pas assez apparemment. Ça fait deux fois le pauvre qui arrive en finale. Et puis hey, en plus, au lycée. Ça m'a boosté ma cote de popularité quoi. Ah ouais? Ouais, depuis le tournoi, il y a plein de gens qui sont venus me voir, me demander ouais, de faire des prises, de leur apprendre des coups. Ouais, ça me dégoûte un peu quand même parce que moi l'année dernière, bah on a pas autant adoré. Ouais, mais tu vois, cette année, le tournoi était dans notre ville. C'était à la maison. Et donc forcément, il y avait tous les lycéens. Donc dès le lendemain, ils ont tous parlé, quoi. Et dès le lendemain, j'étais devenu populaire. Et puis en plus, t'imagines même pas ce qui s'est passé. Bah vas-y, raconte. Tu sais, Lisa, elle est venue me parler. Ah ouais? Je te promets, et je vais au cinéma avec elle demain. Ouah, super. Oh, mais je suis trop content depuis qu'elle depuis le tournoi. Et bah justement depuis ce tournoi par contre ce qui est chiant c'est que tu vois Mike et ses potes là. Ouais je vois qui c'est ouais. Donc ils foutent la merde un peu. Ouais. Bah eux ils viennent me chercher l'embrouille hein, depuis le tournoi. Ah faut que tu fasses gaffe à ces gars là hein. C'est un peu des shows. Ouais t'en fais pas pour moi, de toute façon s'ils me cherchent trop ils embrouillent hein, ils vont apprendre à me connaître. Ah putain y'a mon kiné qui m'appelle. Bon je suis désolé les gars je vais devoir y aller hein. Allez à plus. Je vais deux. Alors, avec Stéphane? Bah écoute, j'attends de voir s'il va faire le premier pas. Hein. Bon, on trouvera quelque chose à la fin du film pour vous laisser tout seul. Ouais. Vous allez faire quoi? Oh, tu verras, rien. On se débrouille. Hey mec, t'assures avec Lisa ce soir? Hein. T'inquiète, je gère, je t'ai dit. Au fait, Mike, il est venu te voir l'autre jour, non? Il voulait t'embrouiller. Rien de grave, t'inquiète, il est venu rapidement, mais... Mais de toute façon, tu le laisses, hein, c'est un bolos ce mec. T'en fais pas. Eh hey, mec, elles arrivent. Ah. Salut. Alors, vous voulez aller voir quoi? Avec toi? Bah vas-y. Ça vas-y, commence on va prendre les minutes, ouais. Bonjour, 5 places pour Rec 3, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bon, au revoir. Merci. Au revoir. Ah ouais. Eh, faut pas oublier le popcorn, mec. Ouais. Bah, t'as des sous, Charlie? Vas-y. Eh, franchement, il était trop bizarre, le film. Ouais, moi aussi. Non, moi j'ai eu peur. Ah non. Mais non, il faisait trop bien. Non, il était génial. Franchement, ouais, il était super. Ouais, bah, franchement, j'ai bien aimé. Hein. Ouais. Bon, tu fais quoi? Bah, moi j'ai en train d'apprendre. Je t'accompagne. Ouais. Bah, vas-y, je viens avec vous. Bonne soirée, Lisa. Salut. 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 Bon. Fais quoi? Bah, je sais pas, on pourrait aller se balader. Comme tu veux. Par Child. Tu sais, Zoé, en général, avec un mec, elle prend la gel, quoi. Ça sert un peu comme des Kleenex. Oui, toujours avec des mecs qui traînent autour de toi, en plus. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et d'ailleurs, toi, je te vois toujours avec plein de noms différents au lycée. Tu sais, c'est ça d'être délégué et présidente des élèves, hein. C'est sûr. J'ai commencé bas et. Prochaine étape, c'est présidentielle. Ouais. Toi qui connais tout le monde et qui présente tes élèves.
Mike et sa bande. Ça dit quelque chose? Ouais, ouais. Bah, en fait, on a pas mal de soucis à cause d'eux. Au dernier CVL, on a eu une altercation d'ailleurs avec un membre. Ah oui, d'accord. Et en fait, on sait qu'il y a des histoires de raquettes, des histoires de trafic de drogue même, mais comme on a aucune preuve, on peut rien faire, quoi. Tu m'étonnes, c'est embêtant ça. Eh mec, t'as des nouvelles de Child? Non, je crois qu'il essaie de nous douiller lui. Ah mais il va pas se sortir comme ça, hein. Je vais remettre les idées au clair. Ouais. T'attends quoi pour aller voir? Ah, j'ai d'autres trucs à faire là, j'attends un type, il me donne du fric. Une fois qu'on est dans la bande, on peut plus se barrer, mais pourtant on peut peut-être faire une exception, si tu flippes déjà. C'est bon, arrêtez. Bon, il est là, j'y vais. Vas-y, tu Alors, t'as mon fric? Non, je sais pas. Quoi, t'es sérieux là? Tu prends pas un bolos ou quoi? Ouais, je l'ai pas, j'ai pas te le chier ton fric. Mec, ça fait 3 semaines que je t'ai donné ta weed. Alors, continue, je te balance au keuf. Ah ouais, tu vas en dire quoi au keuf que tu prends ta beuh chez des lycéens? Ouais, de toute façon, je l'ai pas ton fric, tu l'auras pas. Ah ouais? Gamin. J'aurai pas ma thune? T'en vois plus rien là! Il a l'air décomposé, ça fait le mur quoi. Bon, c'est bon. Ce que tu voulais. Ça va, il voulait juste me dire bonjour. Ah, je sais ce qu'ils veulent, ces mecs-là. Alors Stéphane, t'as appris de nouveaux coups? Oui, au dernier entraînement, j'ai appris un nouveau crochet. Ah, j'ai hâte de le mettre dans un combat. Bah, vous viendrez si vous voulez. Ouais, bah, je vous montrerai ça. Ah, gros, faut qu'on ait un pigeon qui nous paye à manger. Hein. Ouais, faut qu'on l'entende pas. What am I, Chen? Ah, il est là, cet enculé. Ouais, ouais. Ah mais tiens, voilà, c'est notre ancien pote, non? Ça va, c'est un traître. C'est bon, lâche-le, mec. Ah, y'a ta maîtresse qui vient de sauver. Vas-y, je suis pas son chien, là. Non mais je crois toi, t'as oublié, c'était qui le boss, ici? Ta petite bouffonne de Mike, là? Allez, c'est bon. Non mais déjà, moi, je te prends où tu veux, quand tu veux. T'en vaux pas la peine, mec, retourne-toi avec tes petits copains, là. Nous, on est pas là pour faire chier le monde. Non mais ok, viens, on va régler ça maintenant. Tenez que ce soit un bâtard! On verra ça, connard!
qu'est-ce qu'on a fait un peu sale? Ah, ce qui paraît, t'es battu à la cantine. Ouais, je me suis pris un rapport à cause de votre con là. Stéphane, s'il te plaît. Vas-y, raconte. C'est bon, lâche-moi, ça me saoule. Stéphane, te dije que te callaras, por favor. C'est bon, lâchez-moi. A mí no me hablas así. Yo no soy tu madre. C'est bon, je vais pas. Y el delegado, con calma, por favor, con calma. Y el delegado, lo sigues. Bon, on fait quoi avec le groupe des connards là? Parce qu'il faut les niquer eux un jour. Non, mais de toute façon, je cherche pas. L'autre, je le croise dans les couloirs, il est mort. T'as bien fait de lui mettre la gueule dans l'assiette à l'autre con. Non, non, mais lui, c'est réglé. Je te parle de l'autre là, celui qui m'a mis des patates. Et il sait pas qui je suis, lui. Je le croise dans les couloirs, je le tue. Mais Stéphane, on n'a pas besoin de se rabaisser à leur niveau. On est quand même au-dessus de ça, non? Non, non, mais cherche pas. Je le croise, je le bute. Stéphane, écoute. Je le croise, je le bute. Putain. Il vous a foutu l'ordre devant tout le monde, putain! Je savais pas qu'il était aussi fort, ce connard. Quoi? Tu savais pas qu'il était aussi fort? Comment? Putain, ils sont là-bas. C'est toujours pas le moment d'aller voir? Ah ouais? Et tu veux que je fasse quoi, hein? J'ai fait cocu, à la prochaine connerie me fait virer, tu voudrais que je fasse le con? Mais t'inquiète, je vais régler ça, c'est moi qui décide. Eh hey mec, comment j'ai trop la dalle, c'est ouf. Viens, on va pour faire un truc. Mais j'ai pas de thune. Ma journée, c'est dans mon sac en gros. Mais t'es chaud, on y va? Vas-y. Vas-y. Lisa, ça va? Ouais, ouais, ça va. Moi, je pourrais s'en aller là. Mike avait raison. Il suffisait d'attendre. Mon malin petit pute, bah. Qu'est-ce que tu dis que ça? Oh. Tu veux finir quand même? Vas-y, viens mon gars. Ça, t'es content? T'es fier de toi? Pardon? Attends, mais qui va chercher la merde là? T'inquiète, tu vas redescendre aussi vite que t'es monté. La gloire ne dure qu'un temps. Ouais, allez, va rejoindre ta petite pédale, hein. Chai, ça va? Je t'aime. C'est quoi ce que t'aimes chez moi? Ton ambition, tes yeux, ta force de caractère. Puis tu nous as débarrassé de Mike. Enfin, pour ça, j'étais viré 3 jours. Oui, mais c'est bientôt fini. Ouais. Puis en plus, il y a tout le monde qui parle de toi au lycée, ça va être la folie quand tu seras là. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, il me semble que tu dois y aller, toi, non? T'as cours, là. Non, j'ai envie de rester avec toi. Ça, je suis trop contente. Grâce à toi, je vais pouvoir appuyer ma demande pour avoir un agent de sécurité devant le lycée. C'est vrai que c'est une bonne idée que t'as eue là. Tu vois, regarde, y'a tout le monde qui t'attend là-bas. Oh la vache, c'est vrai. Les gars, Stéphane, ça va bien? Les gars, ça va? Tranquille Stéphane, merci de nous avoir débarrassé des autres enfoirés. Y'a pas de soucis. Maintenant, c'est tranquille et tout. Bon, allez, on oublie tout. Sans rancune. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Et on va pouvoir faire enfin partie de la bande. Putain, il les a tous niqués. Pas grand chose, ça. Wouah, ça va, mec? Putain? Ça va, vous? Hey, dis! Pas tranquille? Ça va? Ça va?
Alors, ton centre de rééducation, ça s'est bien passé? Ouais, c'est super bien passé, ouais. Ma jambe va beaucoup mieux maintenant. Ah, c'est cool, c'est cool. La bouffe, t'es quand même un peu dégueulasse. Ah, tu m'étonnes, t'es dégueulasse. T'allais gratter longtemps ta béquille? Ouais, je pense encore un petit mois peut-être. Ah ouais, c'est la merde quand même. Un mois de béquille. Et alors, Stéphane, comment il va? Je l'ai pas vu aujourd'hui. Stéphane, je crois qu'il est un peu parti en couille là. Pas qu'un peu. Ouais. Il s'est fait virer pendant 3 jours. Il a tué la banque de Mike, il est vraiment parti. Ouais, il commence à monter son gang et tout. Quoi? Comment ça son gang du lycée? Bah, il a recruté des gens, enfin il y a des gens qui sont venus le voir après qu'il ait gagné son tournoi et il a commencé à se sentir chaud et... Non mais il part trop en couille hein. Mais vous êtes sérieux? Bah on est sérieux. Si tu veux, ils sont là-bas, toujours au coin, tu peux aller les voir. Ah mais j'irai même pas le voir, c'est bon. Mais va le voir, c'est ton pote. C'est bon, j'irai même plus le voir maintenant, c'est bon. Non mais vas-y, va le voir. Non mais il me dégoûte maintenant, c'est bon, il est devenu comme tous les autres. Il vaut plus la peine. Hé les filles, je viens d'avoir mes parents et ce soir, la maison elle est libre. Soirée ou pas? Bah ouais, bah carrément. Attends, carrément. On s'organise sur ce qu'on ramène et puis ça ira. Hein. Moi je prends le guitariste. Ok, moi j'ai à manger donc ça va. Ok. Allô? Ça va trop bien. Ouais, génial. Ouais. Maintenant? Ok, c'est... j'arrive. Bisous mon cœur. Les filles, je suis désolée, ça va pas être possible pour ce soir. Je vais voir Stéphane. C'est sérieux là? Le gars, c'est pour moi, tu le connais, tu le fais passer tout le temps avant nous. On me voit arrête. Plus. Arrêtez-vous les filles, c'est pas pour autant que je vous oublie. Hein. Bah, on fait une soirée ensemble et t'es pas là, c'était histoire de te voir encore plus quoi. Mais attends, une soirée sans moi, vous allez tenir non? Là, tu nous oublies carrément. Hein. Mais arrête un peu, je vous oublie pas. Ouais, tu me saoules. Non mais c'est vrai. Salut les filles, qu'est-ce qui se passe? Salut, bah c'est Lisa quoi, elle est jamais là. Ah ouais c'est vrai, depuis qu'elle est avec son nouveau mec là, elle est saoule hein. Elle passe tout son temps avec lui, elle nous oublie. Non mais grave. Vas-y, je vais aller l'embrouiller moi. Bon c'est Stéphane qu'il faut aller voir hein. Ouais mais bon, faut leur mettre un peu les idées au clair quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais quoi, rien? Te laisse pas abattre comme ça, pas toi! Mais c'est bon, laisse tomber, ça me saoule ça! Non mais il a raison, c'est moi qui nous a ridiculisés. Mais toi, ta gueule! Putain, c'est quoi ces réactions cons là? Réagissez! Réagir pour faire quoi? De toutes les manières, ça sert à rien! Écoutez-moi, j'ai un plan. On va le faire payer à ce connard. Mais comment? On va s'en prendre à sa chérie. À toi. Salut! Tu vas où? Ça te regarde? Ça va, t'énerve pas, je veux juste parler gentiment. Et qu'est-ce que tu veux? Il va te virer, Mac. Le conseil de discipline n'a pas encore tranché, mais... maintenant, on a assez de preuves pour s'en débarrasser. Ce serait dommage pour Stéphane. Comment ça pour Stéphane? Il a réussi à éclater 3 mecs, mais... s'il y en a 15 qui rappliquent, ça se passerait comment? Réfléchis bien. Bonne journée. Bonjour. Tiens, en fait, j'ai vu ton pote le jour. Il est rentré, non? Ouais, je sais bien qu'il est rentré, t'inquiète pas. Faut pas te mentir, je me fiche un peu. Hein. Pourquoi? Il est pas venu te voir? Non mais tu sais, je crois qu'il est un peu jaloux de moi. Jaloux? Quoi? Bah tu sais, depuis que j'ai progressé là et que je suis devenu meilleur que lui, ça, il a pas vraiment apprécié on va dire. Envoie la balle de toi s'il te plaît. De toute façon tu sais, j'ai tellement progressé que bon les entraînements. Bah j'y vais plus, hein, ça me sert à rien, ils sont trop nazes les mecs là-bas. Ouais. Enfin il est un peu chelou quand même, Mickey. Tu peux parler toi, hein, t'étais toujours avec moi et Kessaban il me semble avant. Hein. Ouais mais c'était des bouches-trous, je traînais pas avec eux parce que c'était mes potes, c'était comme ça tu vois. Ouais. Bon bah tu vas faire quoi maintenant? Comment ça qu'est-ce que je vais faire? Bah pour ta popularité, je sais pas. Parce que là les gens ils parlent de toi, c'est sur le moment, mais dans 2 mois c'est fini, plus personne te connaît mec. Bah écoute, on va continuer à casser la gueule à ceux qui foutent de la merde, puis voilà. Tout le monde a peur de toi, c'est plus drôle mec. Tu penses à quoi toi? Je sais pas, c'est les gens, c'est drôle ça. Mais non, mais on vient de péter la gueule à la bande de Mike, ce serait pour reproduire ce qu'il faisait avant.
sert à rien. Je sais pas, un truc qui claque, qui a de l'impact. Vas-y, tu penses à quoi? Un cambriolage. Je t'avouerai que ça me fait un peu chier de cambrioler des gens. Mais après, des magasins, des entreprises, trucs dans le genre. Mais je sais pas, on a qu'à cambrioler le lycée, mec. Le lycée? On va se faire bouler, on va se faire. Mais t'es con! On est là-bas tous les jours, on a juste à faire un plan et c'est gagné. Attends, ça fait 2 ans qu'ils veulent virer Mike et sa bande. Toi, t'arrives, en 2 mois, tu finis l'affaire. Et le seul truc qu'ils font pour te remercier, c'est de virer 3 jours. Tu mérites mieux que ça. Mais allez, putain, je sais qu'au fond de toi, t'as envie de le faire. Bon, donc on est réunis pour réfléchir éventuellement, suite à la demande du proviseur, à la présence ou non d'agents de sécurité sur le lycée, suite aux événements violents dont vous avez tous entendu parler. Donc l'approviseur, je pense, interviendra tout à l'heure. Également Lisa, la présidente des élèves. Alors, t'es sûr? Bah oui, maintenant qu'il s'est passé un truc, on va pouvoir appuyer notre demande ou non? Ouais, c'est sûr. Écoute, j'ai réfléchi à tout ça, tu devrais dire non. Pourquoi? Tu veux pas nous laisser 2 secondes, s'il te plaît? Bon, d'accord. Non, mais t'es sérieux, là? Non, mais attends. Pour 2-3 bagarres, tu veux mettre un agent de sécurité devant le lycée? Non, y a pas eu 2-3 bagarres dans le lycée. Ça fait 3 ans que j'essaye de faire passer le projet. Je peux pas m'arrêter là, quand même. Là, au moins, y aura quelqu'un devant le lycée, le jour et la nuit. Mais la nuit, c'est encore plus inutile. Y a personne dans le lycée. Mais si! Imagine, y a un règlement de compte devant le lycée, en pleine nuit, et y a personne pour surveiller. Tu m'avais dit que tu me soutiendrais, et franchement, là, t'es contre tout ce que je fais, tu... Non, mais c'est inutile, je te dis. Non, mais arrête. Cherche pas, je te dis, y en a pas besoin. Ok, bah maintenant, on va écouter Lisa, la présidente des élèves, si tu veux venir nous exposer ton point de vue, Lisa. Je te fais confiance, hein. En ce qui concerne la proposition pour l'agent de sécurité au lycée, je suis contre. Hey Lisa, qu'est-ce que tu fous? C'est l'anniversaire de maman? Non mais j'ai pas le temps là, je suis en train de travailler. Bah qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Mais qu'est-ce que vous avez tous avec cette question là? Vous me saoulez. Bah je sais pas, pense aux autres, t'es toujours enfermé dans ta chambre. Bon, tu me saoules, sors de ma chambre. Vas-y, éteins tes phares, éteins tes phares. T'es sûr que ça a marché ton coup là? T'inquiète, le chewing-gum dans la serrure, ça a toujours marché. Par contre, je te le dis tout de suite, si on le fait, on le fait vraiment. On revient pas en arrière au dernier moment, on y va direct. Allez, go. Tu vois, je t'avais dit. On n'est pas là pour ça, on n'a pas le temps. Viens. On n'a pas... Mais putain, je t'avais dit quoi? Pourquoi c'est fermé? Tu fous moi? Je t'avais dit de pas faire le con. Sous le couteau, c'est pas dans cette merde. Y'a un mec. Oh merde.
fais de changer mon discours pour pouvoir faire ton truc avec Child? Dans un couple, faut bien céder, non? Céder? Ouais. Attends, tu complotes un cambriolage dans mon dos et tu parles de céder? Puis de toute manière, ton pote, là, Child, il m'inspire pas confiance. Non. Par contre, t'es gentil, tu mets personne à cette conversation, ok? Non, mais je sacrifie beaucoup de choses pour toi. J'encaisse beaucoup de choses des autres. Tout ça par amour et au final, j'ai pas l'impression que ce soit réciproque. J'ai pas l'impression de recevoir le respect que je mérite en retour. Oh, ça y est, tu me sors l'argument du respect. Tu veux que je te dise, t'es jalouse? T'es jalouse de moi? Avant, tout le monde parlait de toi, c'était génial. Mais là, c'est mon tour et tu me sers plus à grand chose pour ma popularité. Quoi? Je te sers plus à grand chose pour la popularité que je t'ai apportée? Tu me dégoûtes. Écoute, je suis désolé. Excuse-moi, je voulais pas vraiment dire ça. Je suis sorti un petit peu tout seul. Crois-moi, je t'aime. Si tu veux, on y va. Les autres, ils vont nous attendre. Salut Stéphane. Oui. Ça va? Salut Stéphane. Salut Stéphane. Salut mec. Hey Stéphane, il y a la bande de Stéphane là qui vient d'arriver. Ouais. Bah allez les voir vous si vous voulez, mais moi vous savez ce que je pense de lui de toute façon. Non mais t'es toujours pas les voir? Bah non, je t'ai bien expliqué. Non, c'est bon, il est devenu comme Mike et sa bande. T'es parti 4 mois et tu retombes pas le voir? Bah non, il est devenu comme l'autre là, Mike. Ouais, c'est clair. Je mets les grosses saucisses tout de suite. Ça va, elle est cool la soirée, non? Ouais, elle est super bien. Mais Lisa, elle est pas avec nous. Je crois que je vais aller la voir. Tu vas? Non, moi, elle me saoule. Mais si, mais viens, on y va avec elle. Enfin, je sais pas, elle a l'air vraiment pas bien. Non, mais vas-y. Bon, bah, je vais aller la voir. Ouais, je reviens. Bah, alors, Lisa, ça va pas? Il arrive? Si, ça va. Bah, je suis ta meilleure amie, tu peux me dire quand même s'il y a quelque chose qui va pas. Mais non, ça va. Mais t'es sûre que tu veux pas venir danser avec nous depuis tout à l'heure? On danse et toi, t'es là toute seule. Bah, t'inquiète pas, je te dis que ça va, je suis juste fatiguée. Bon, bah, tu nous rejoins alors. Hein. Oui, je suis là si t'as besoin de parler. Hein. T'inquiète pas. Moi, bon, t'as. Bon alors, t'as pas eu de la meuf ou quoi toi? Franchement, il y en a deux ou trois qui sont pas mal, et moins de se mettre bien. Ah ouais? Tiens, t'as pas entendu, il y a des bâtards qui commencent à parler sur nous. Parler sur nous de quoi? Pour cambriolage, hein? Ben oui, sur le fait qu'on s'est foiré, ça les fait marrer. Mais on s'en bat les couilles, mec, c'est les mêmes qui viennent nous lécher le cul quand on défonce la bande à Mike. En parlant de Mike, fais gaffe, parce qu'il y en a qui disent qu'il pourrait être niqué. Mais ils font que de parler, je les prends un par un, je les défonce, t'sais. Vas-y, laisse couler. Ça te dit pas, on remonte? Vas-y. Qu'est-ce que vous venez foutre là, vous? T'inquiète, on vient juste pour passer une bonne soirée là. Ouais, je vous connais par cœur, vous allez foutre la merde comme d'habitude. Non, on est juste là pour passer une bonne soirée. Ouais, vas-y, c'est ça. Putain, c'est pété ici. Ça va être merde. Eh putain, elle est où Sarah? Chiable, je crois que je vais descendre tout à l'heure. Mais c'est quoi là-bas? Putain, vous faites quoi là? T'es sérieux toi là? Je suis pas dans le soir. Ça va, on rigolait. Putain, mais il va où lui? Eh, tu vas où toi? T'es sérieux là? Oh ah bah, le train. Tu veux jouer comme ça, mon gars, je t'avais prévenu. Dégage d'ici. Franchement mec, t'as été bon ce soir. De toute façon c'est une pédasse mec là. Par contre attends, on pense que tu devrais reprendre l'entraînement.
On ? Comment ça, on ? Non, enfin, personne de particulier, c'est... Tu crois que j'ai perdu mon niveau, c'est ça ? Mais non, non, t'inquiète, c'est pas ça, je te jure. Mais bordel, c'est moi le meilleur ici, ok ? Je veux pas de tes réponses hypocrites ! Et vous avez quoi, vous regardez comme ça, vous, y'a un problème ? Stéphane, arrête. Oh, lâche-moi, toi. C'est moi le numéro 1, ça a toujours été, c'est comme ça. T'as fait trop pitié, ce mec. C'est moi le chef. Puis je vous ai jamais demandé de me suivre. Sans moi, vous seriez rien. Avant moi, vous étiez rien, vous passez votre temps à chialer parce que Mike, il vous martyrisait, lui, ça. Ouais. Alors maintenant, je vous en débarrasse, vous doutez de ma force. Mais attends, laissez-moi rire, là. Bah vas-y, prouve-le-nous. Parce que je voulais pas dire assez prouvé, peut-être. Et dis alors, tout le monde sait que t'as gagné parce qu'il était blessé. T'es vainqueur par substitution. Ok, il est où, Eddie ? Il est où ? Il est parti en moto il y a 5 minutes. Ok. Tiens, il est où ta moto ? Bah, je l'ai gardé devant. Ok, je t'emprunte. Et tous ceux qui disent que je ferai pas le poids face à Eddie, bah, ils vont être bien surpris, hein. Pas qu'il manque un peu de folie à cette soirée ? Bah on s'est un peu chié quoi. Vas-y, j'ai un plan pour foutre un peu d'ambiance. Eddie ! Qu'est-ce que tu fous là ? J'en ai marre d'entendre parler de toi. On va régler un peu nos comptes maintenant, hein ? Ah vas-y, j'ai pas que ça à foutre. Mais qu'est-ce que je m'en parle les couilles que t'as que ça à foutre ? Elles sont passées où tes couilles ? Où le grand champion là ? Vas-y, laisse-moi, putain. Putain, mais t'es malade ou quoi ? Ah, enculé ! Alors, t'as eu ton compte ? Allez, arrête, j'ai pas envie de te faire voir. Moi, je te dis. Ça mec, tu veux que j'appelle quelqu'un ? Mais putain, mais casse-toi, je veux pas tomber. Ça va, monsieur est content, hein. Il est redevenu numéro 1, le grand champion. Non mec, j'ai jamais voulu ça moi. Jamais voulu devenir numéro 1, c'est toi, tu pars dans tes délires. Ah ouais ? Et pourquoi on s'est entraîné alors, hein ? Pourquoi tous ces entraînements, ce tournoi et tout ça ? Pourquoi ? Tu m'expliques ? C'est ce que t'as compris quand on s'entraînait, c'est ça ? Non. Moi je voulais qu'on s'entraîne entre potes, c'est tout. S'entraider ? Mais t'es jamais venu me dire tout ça. Mais depuis ton retour, t'as jamais été là. Jamais. T'es jamais venu me voir pour dire tout ça. Parce qu'en plus ce sera ma faute, c'est ça ? Ouais, bien sûr. J'appelle les secours. C'est la faute à qui alors tout ça ? Hein ? C'est la faute à qui ?
Ce qui flatte notre ego et qui nous attire dans leur jeu, nos échecs seront leur passe-temps. Ce serait lâche de rejeter la faute sur notre meilleur pote. Le mec qui veut pas d'histoire. Celui qui est là quand ça va bien et qui disparaît quand tout tourne mal. Je crois qu'on peut apprendre de nos proches et qu'on peut apprendre bien plus de nos ennemis. Et à travers tout ça, on continue à avoir le soutien inconditionnel de notre petite amie. Celle qui sacrifie tout par amour et qui s'en va quand on joue trop avec elle. À côté de ça, d'autres poursuivent la quête de la popularité, à laquelle j'ai été prise et qui est toujours vouée à l'échec. Elle les pousse à commettre des choses de plus en plus dingues pour être au devant de la scène. Les opportunistes seront toujours leurs alliés. Alors à qui la faute tout ça, hein? J'en sais rien. Mais je sais une chose. Je suis responsable de ce que je suis.